Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes, la technologie U-Sky Transport, qui est actuellement en cours de développement aux Émirats Arabes Unis et en Biélorussie. Alors, je suis Donatien Gérard et je participe à ce projet depuis 2018. Et aujourd'hui encore, je continue toujours de prendre le maximum de parts d'action dans ce projet, car c'est le transport, pour ma part, que tout le monde attend. Et nous le verrons bien évidemment dans ce webinaire. Pourquoi est-ce que c'est le transport que tout le monde attend? Nous verrons à quel point les gens sont intéressés et demandent, à avoir ce système de transport. Plusieurs commandes ont déjà été faites, à l'instar de trois, comme l'a déjà annoncé le PDG. Et cette fin d'année, on estime qu'on sera au moins 10 contrats signés. Alors, en ce webinaire aujourd'hui, nous aborderons les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons, nous parlerons des risques et des problèmes que rencontre le système de transport actuel. Nous verrons les possibilités et les perspectives du transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons ce que Skyward Community vous offre et les avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par cette nouvelle chaude. En République dominicaine, l'ambassadeur Skyward Community est apparu. Olga est un expert d'après son statut du programme de partenariat depuis plus de 2 ans dans les territoires de la République dominicaine, Haïti, Porto Rico et le Costa Rica. Le nouvel ambassadeur développera la communauté en République dominicaine, travaillera à attirer des fonds dans les technologies et préparera des projets commerciaux sur place avec la participation du département de préparation des projets ciblés de la Skyward Community pour le transfert direct plus loin dans l'UST. Être le représentant de Skyward Community en République dominicaine est avant tout un honneur pour moi. Il est prévu de développer notre communauté jusqu'à 100 000 personnes l'année prochaine. Rassembler les gens est une mission importante et responsable. Je sais que nos activités en République dominicaine seront certainement couronnées de succès grâce au travail coordonné de toute l'équipe. Nous avons quelque chose à offrir et quelque chose à intéresser. Nous sommes une communauté grandissante qui rassemble les gens, aide à gagner en confiance dans l'avenir, à partager des plans d'Olga Véronica. Okay. Le rôle de l'ambassadeur est choisi par des personnes qui non seulement travaillent autant pour moi activement et efficacement pour attirer les investissements, mais sont également en mesure de construire une communauté compétente avec le gouvernement des pays où ils travaillent et ont également des débouchés pour les grands investisseurs. Ce sont des personnes actives, non seulement dans le travail avec Skyward Community, aussi dans d'autres domaines de la vie publique des pays. Par exemple, Olga Véronica
En même temps qu'elle a été nommée ambassadrice, Skywalk Community a reçu le statut de membre du forum multilatéral du groupe gouvernemental de l'éthique de la République dominicaine auprès de l'ONU. Le transport accorde au forum en Indonésie. La société de développement de transport Accord a participé au Forum international Sustainable Transportation Forum 2022 à Denpasar, en Indonésie. Lors du forum, les représentants du projet ont expliqué comment le transport Accord peut améliorer la situation des routes indonésiennes tout en réduisant les émissions nocives dans l'atmosphère. En outre, La société de développement de transport Accord a signé un protocole d'accord avec l'organisation Intelligent Transport System Indonesia, ATM. Cela pourrait accélérer le développement du projet en Indonésie. STF est une plateforme du premier plan en Indonésie qui rassemble des représentants des transports urbains indonésiens, du gouvernement, du monde universitaire et du secteur privé. L'un des principaux thèmes du transport de cette année est la mobilité urbaine. Le programme de l'événement comprenait des conférences de presse, des expositions, des concours et des tables rondes. La version vidéo du forum peut être consultée sur la chaîne YouTube du ministère indonésien du transport. Le transport Accord a été débattu durant ce forum. Alors, aujourd'hui encore, nous avons la possibilité, la chance que Skywalk Community nous offre de gagner le challenge Skywalk Community avec des coupons x2. Les conditions de la promotion sont les suivantes. Tous les investisseurs du statut partenaire ont obtenu un certain nombre de coupons de la valeur nominale de 2X. Les partenaires ont obtenu des coupons x2. Les consultants ont obtenu 2 coupons. Les leaders, 5 coupons. Les masters, 5 coupons. Les experts, 5 coupons. Top experts, 7 coupons, Sky Expert 5 coupons et Sky Expert 10 coupons, autant pour moi. Dans les 7 jours, vous avez la possibilité de réaliser le nombre de coupons reçus, utilisés pour faire un investissement ou donner à des amis. Après 7 jours, vous recevrez le même nombre de coupons que ceux qui ont réalisé le total des coupons obtenus le 3 novembre 2022. S'il vous plaît, notez bien que le fait d'utiliser le coupon par vous-même ou le fait de donner le coupon est pris en compte. Si l'utilisateur à qui vous avez donné le coupon ne l'a pas utilisé, vous serez toujours crédité de ce coupon réalisé, comme réalisé autant pour moi. La promotion durera tout au long du mois de novembre et un nombre total de 4 émissions de coupons seront organisées. Donc, pour la première émission, c'est pour le 3. La deuxième émission sera le 10, la troisième le 17 et la quatrième le 24 novembre 2022. Pour chaque émission, le nombre de coupons x2 réalisés au cours des 7 derniers jours est pris en compte. C'est-à-dire que le 17, nous allons émettre autant de coupons que ceux qui ont été réalisés du total des coupons obtenus le 10. Remarque, dans le cas où vous n'avez pas mis en œuvre un seul coupon reçu le 3 avant le 10, vous ne recevrez plus de coupons x2 et vous ne pourrez pas continuer à participer à cette promotion. De même, pour les semaines suivantes, si vous n'avez pas réalisé au moins un coupon après la prochaine émission, votre participation à la promotion cesse. La durée de validité des coupons émis est de 7 jours. Pour l'utilisateur à qui vous donnez ce coupon, il sera également valable 7 jours à compter de la date du don. S'il vous plaît, notez bien, en raison de la mise à jour du système de coupons, les coupons reçus peuvent être transférés aux partenaires se trouvant au-dessus et au-dessous de vous dans la structure. Donc, si vous donnez le coupon au partenaire qui se trouve en dessous de vous dans la structure, le destinataire sera en mesure d'appliquer à l'investissement, mais ne sera pas en mesure de le donner. Si vous donnez le coupon à un partenaire se trouvant en dessous de vous dans la structure, le destinataire sera en mesure d'appliquer à l'investissement et de le donner une fois au partenaire se trouvant en dessus ou en dessous de lui dans la structure. Chaque destinataire suivant au-dessus de la structure peut passer ce coupon plus haut. Ainsi, les coupons réalisés et transférés d'un utilisateur de votre structure seront également pris en compte lors de l'émission ultérieure. Par exemple, l'utilisateur dans le statut master a reçu 5 coupons x2. L'un d'eux, il a appliqué pour faire un investissement lui-même. 4 autres ont été donnés.
Deux utilisateurs dans le statut de leader de sa structure lui ont donné un coupon x2 et il les a remis ainsi. Ainsi, le 10, il recevra 1 plus 4 plus 2 égale à 7 coupons. J'espère que vous avez compris. Alors, c'est une occasion unique que l'entreprise nous donne encore de pouvoir augmenter nos parts d'action dans le projet. Alors, nous parlons de la technologie de transport à cordes ici. Regardez comme c'est joli. Il s'agit d'une solution innovante au problème du transport moderne à grande vitesse et transport de marchandises. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Il a ainsi représenté le monde dans un avenir proche. En voilà une escapade à Jorée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici vous est déjà familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme, tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Non. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Alors, le passage du transport moderne en électricité, il faut le savoir, ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est d'écrire avec moins de consommation d'énergie. Alors, donc nous pouvons dire donc que le quatrième défi de notre époque, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent clairement évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Les photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leurs simples roues roulées par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Et bien évidemment, il ne faut pas confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport, donc, que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Il s'agit U-Sky Transport. Qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes, un ensemble constitué de villes linéaires, éco-maisons et
et ports maritimes. La mise en place du système de transport à côte n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à côte apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans la zone de développement. Alors, ici, c'est une image de l'écomaison. Il y en a une en Biélorussie et une autre aux Émirats arabes unis. Lisez vous-même cette citation de Anatoly Unitsky, qui est le concepteur général des transports à côte. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, maintenant que nous avons donc fixé le décor, nous pouvons passer par fixer aussi le problème qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore pour pouvoir construire une voie ferrée ou bien une autoroute, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors, la prochaine étape consiste à créer donc une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter donc des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait. Mais cela s'est toujours avéré inefficace. Continuons. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, d'accord, comme ce qui existe, on va plutôt poser le câble. Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on les remplace bien évidemment par des supports qui sont légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous les plaçons donc dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. Les variantes de structure de rail à cordes montrent clairement que cette structure, qui est constituée de la tête du rail, des cordes, qui sont des faisceaux de fils d'acier précontraints, la remplisseuse là, qui est l'agent de remplissage, qui est un béton flexible, et le corps du rail, il est possible d'avoir trois variantes de structure de trajet à cordes. La première, c'est un trajet de rail semi-rigide qui peut supporter des véhicules allant entre 50 et 250 km par heure, des rails rigides entre 100 et 500 km par heure et des rails flexibles avec une vitesse autorisée entre 30 et 150 km par heure. Et bien évidemment, la conception aussi a un système anti-déraillement spécial. Ici, c'est la conception du châssis à conception interne. Et là, nous avons à quoi ressemble le système anti-déraillement spécial. Regardez cette image, les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage, okay, qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. Et en passant donc dans ce cas, on peut se passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais pour une vraie photo prise lors de l'Expo Dubaï 2020 à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de rails des trajets à cordes
et que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas les bruits caractéristiques des rails en acier sur les roues en acier, des roues en acier sur le rail en acier. Autant pour moi, la tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Ici, nous avons une photo, okay, de ce magnifique système de transport. Okay, et là, c'est moi. Je fais un tour à ce centre. Ce centre, U-Sky Transport, a Sharjah et j'ai pu toucher du doigt ce merveilleux engin, cette technologie dans laquelle j'ai investi depuis 2018. C'est vraiment magnifique. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre ce problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées donc spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, mais la puissance et aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement. Lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. Alors, la solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie, c'est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation transport du second niveau. Les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Et cet appareil qui est un uniflash, qui peut aller jusqu'à 500 km par heure, permet d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Rappelons maintenant les problèmes liés au transport moderne. On a vu la surcharge des transports, les embouteillages donc, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Ici, sur ces histogrammes, nous pouvons voir donc que le transport à cordes U-Sky vient résoudre ces différents problèmes et a la solution la plus optimale en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le taux d'accident de transport et le niveau de pollution de l'environnement. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici ici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Alors, nous pouvons dire que le transport à cordes de deuxième niveau, U-Sky, est un transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut investir dans le projet. Tout le monde peut participer à ce projet. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Et un plan de versement pratique aussi est mis sur pied pour permettre à tout le monde de pouvoir payer leur mensualité sur 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans plus de 200 pays à travers le monde.
Et en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? Premièrement, des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise va réaliser. 20% des bénéfices seront départagés entre tous les actionnaires en termes de dividendes chaque année. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions comme elle a fait en octobre 2018. Les 5 000 premiers investisseurs ont pu revendre leurs actions avec un profit allant jusqu'à 10 fois le montant investi. L'héritage. Les actions que vous avez aujourd'hui sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La société plus tard prévoit une entrée sur le marché boursier. Il faut savoir que la valeur actuelle des actions est très inférieure à la valeur nominale qui est de 1 dollar. En cas de décision donc de la société de participer à l'échange, vous pouvez donc avoir la possibilité de revendre vos actions. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Inutski Eduardovitch, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur a été chef de 2 projets de l'Organisation des Nations Unies en 1998 et 2022, membre de la Fédération de l'espace de l'URSS, fondateur du groupe de société UST, constructeur général du Nisky String Technologies, pour ne citer que cela. Il a énormément dans son palmarès et les détails de sa biographie peuvent être trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Alors, aujourd'hui, dans cette technologie de transport à cordes, il y a près de 11 modèles de véhicules pour le transport des passagers et 4 pour le modèle pour le transport des marchandises. Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus de l'eau et du sol sans interférer avec les autres modes de transport. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Ce transport s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Au début de 2020, ce transport a été présenté à 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour. Il a toujours attiré énormément d'attention. Aujourd'hui encore, elle a été présentée, cette technologie, au salon InnoTrans à Berlin 2022. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai et les documents qui confirment que nous avons subi tous ces tests d'essai peuvent être trouvés sur le site. Et voici à quoi ressemble un certificat de conformité selon les normes qui a été offert au transport à cordes par l'entreprise TUVSW. La technologie de transport à cordes a obtenu aujourd'hui plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez les trouver sur le site web de l'entreprise. Sans aucun doute, il est impossible donc pour une seule personne de mener à bien tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unisky String Technologies a été créée en Mise à République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. Dans sa production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été fabriquées et conçu pour le transport des marchandises passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Et chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur le site pour voir de leurs propres yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. Et en 2018, on a commencé la construction du centre UST Inc. à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Ces photos que vous voyez ont été prises sur ce site de construction à Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que ce système de transport peut être construit dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera
présentation de l'Unibus à grande vitesse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du projet.